Good morgen, allez, Daniel, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avam Chayner Beban Fortune. Mazal Yedin Abed Esther, Yakov Nissim Ben Chana, Machlouf Micha Ben Masouda, Moshe Ben Elo Benish, et Mishum Michel Esther, Bat Arlette Maïsa, si vous savez, vous êtes des prochaines études de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masachat Kirtout, Perekhe, Mishnah Gimel. Amar lo Rabbi Akiva, Nir'im Devarecha, Bemeila Meuta. Arechebal Yado Safek Meila, Bemea Mane. לא יפה לו שיביא שם בשתי סלעים, ואל יביא ספק מעילה במאה מנה. המודה רבי עקיבא לרבי טרפון במעילה מועטת. האישה שהביאה חטאת העוף ספק. אם עד שלא נמלקה נודע לה שילדה ודאי, תעשנה ודאי, שממין שהיא מביאה על לא הודה, מביאה על לא הודה. דו סוג'ה, קומפלטמן דיסטנט נוסק משנה. Il y a un petit rapport dans la structure, mais la première partie de la Mishnah, c'est la fin de la Mishnah précédente. Je vous avais dit dans la Mishnah précédente que, de manière très étonnante, je ne sais pas qui est l'auteur, de manière générale, qui est l'auteur, qui est la personne qui a coupé les Mishnayot dans le chasse Mishnayot. Quand on étudie dans la Gemara, tout ça, la Mishnah précédente, et la première partie de la Mishnah, c'est un seul morceau, ça traite du même sujet, c'est le même dialogue qui est interrompu en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi ils ont coupé cette Mishnah comme ça en plein milieu. Enfin, concrètement, il y avait une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. C'est-à-dire, selon Rabbi Akiva, vous vous rappelez l'histoire avec le Hacham Miloch très brièvement. Lorsqu'on a fait un sacré lège, on a transgressé une avéra d'avoir profité du Bet Hamikdash, d'un bien du Bet Hamikdash, il faut apporter un korban Hacham Meilot, un korban Hacham, qui s'appelle Hacham Meilot, et rembourser auparavant le prix de l'objet duquel on a tiré profit, rajouter le cinquième, et après, ensuite, ça a apporté son corban à Hacham Meilot. Selon Rabbi Akiva, lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé une avéra de Meila, est-ce qu'on a fait un sacrilège ou non, on a tiré profit d'un objet, mais on ne sait pas est-ce que c'était un objet du Hekdesh ou c'était l'autre, l'objet d'à côté, eh bien, dans le doute, il faut apporter un corban à Hacham Taloui. Et lorsqu'il saura ensuite qu'il a transgressé sa avéra, il devra, dans ce cas-là, payer le sacrilège et apporter de nouveau un corban à Hacham Meilot. Bien que c'est le même corban à Hacham. Sur ça, Rabbi Tarfon avait dit dans la mission précédente, pourquoi apporter deux fois une expiation? Apporte dans le doute un seul corban, et paye directement le prix du sacrilège, et tu vas voir le trésorier du Bet HaMikdash, et lui dis, écoute, de deux choses l'une, si j'ai transgressé la Meila, l'interdit de Meila, prends cet argent en guise d'expiation, et mon corban Hacham Taloui sera un Hacham Vadaï. Il va y avoir une valeur de deux slaïm, comme c'est la lacha qui l'impose, et voilà, et comme ça on s'est acquitté de tout le monde. Viens maintenant, et au cas où je ne saurais jamais ce que j'aurais transgressé ou non, eh bien l'argent que je t'ai donné, il sera cadeau, et le korban Hacham que j'ai apporté, ce sera un Hacham Taloui. Donc il pose la condition, il conditionne. Soit c'est un Hacham Taloui, soit c'est un Hacham Vadaï, et il remplit les conditions imposées pour que ça puisse être un Hacham Vadaï, c'est-à-dire rembourser le sacrilège auparavant. Sur ça, vient Rabbi Akiva et lui dit, je reconnais dans le fond, mais ce n'est pas toujours vrai d'imposer à quelqu'un d'agir de la sorte. Pourquoi? Amar lo Rabbi Akiva, il le rétorquait Rabbi Akiva. Nir'im dvarecha be'meila me'uta. Je suis d'accord avec toi, ton principe, sur une meila, sur un sacrilège me'uta, qui est petit. Ouais, il a tiré profit de 10 shekels du Bet HaMikdash, donc ça coûte pas cher de rajouter 12 shekels et demi. Et après d'apporter un korban Hacham Meilot, Hacham Taloui ou Meilot, ça dépendra. Qu'est-ce qu'il leur a transgressé? Mais il y a des fois où ça ne s'arrange pas. Arishabal Yado Safek Meila Bemea Mane. Imagine maintenant qu'il a un doute, est-ce qu'il a transgressé un interdit de Meila d'une chose qui coûte 100 mané, quelque chose qui coûte 20 000 shekels. Et il ne sait pas est-ce qu'il a tiré profit de ça ou de l'autre. D'accord? Il y avait deux bijoux merveilleux, splendides. Chacun coûte 20 000 shekels. Un qu'une femme elle a sanctifié au Bet HaMikdash et l'autre qui est resté rouling. Il a tiré profit d'un des deux, il doit maintenant payer le prix. De lui ou de lui? Ben, alors sur ça, viens Rabbi. Alors quoi? Tu te rends compte, toi, Rabbi Tarfon, tu vas imposer à quelqu'un, dans le doute, de payer ses 20 000 shekels, au pire, il le fera en cadeau, c'est de la folie, c'est de la démence. Impose-lui uniquement d'apporter son corban Hacham Taloui en l'état, et si toutefois il aura transgressé, eh bien, lorsqu'il réalisera son erreur, il apportera. Il remboursera le sacrilège et puis il apportera une des enfants qu'on a Hacham Meilot. Donc il lui dit, Rabbi Akiva, je suis d'accord avec toi dans le fond qu'on peut résoudre le problème de la sorte. Si la Meila,
c'est l'interdit de sacrilège, était mu'at, il était faible. Mais par contre, un rechebal yado safek meila bemea mané, s'il a eu un doute, est-ce qu'il a transgressé une meila qui coûte 100 mané, une somme très grande? Lo yafelo sheyavi hacham bishte slaim, n'est-il pas mieux pour lui qu'il apporte un korban hacham qui coûte 2 slaim, 2 dinars, 50 shekels, 60 shekels? Mais sans lui imposer d'apporter, dans le doute, de rembourser un sacrilège qui coûte 100 mané, c'est énorme, c'est injuste de lui imposer ça. Amode Rabbi Akiva le Rabbi Tarfon Bemeila Moetet. Retiens donc, voilà donc qu'il reconnaît Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, si la Meila, si le sacrilège était fait. Ok? Fin du premier sujet, c'était simple, et c'est la suite logique de la Mishnah dire. Deuxième sujet. Haïcha Shevia Khatata Of Safek. Une femme qui a apporté un Khatata Of dans le doute. Imad Shelo Nimleka Nodala Sheyalda Vadai. Si, avant qu'on lui fasse la Melika, l'abattage de la volaille qu'elle a apportée en Khatat, alors on lui a finalement, on lui a fait savoir qu'elle avait effectivement accouché un vrai Vlad, un vrai fœtus, eh bien ta Asena Vadai. Eh bien, le même korban khatat qu'elle a prévu, elle apportera un korban vadaï. Pour quelle raison? Shemimin shehi mevia al lohoda mevia al hoda. Car de la même espèce qu'elle apporte lorsqu'elle ne sait pas, cette même espèce, elle est imposée d'apporter lorsqu'elle sait. C'est pour ça que ça ressemble à la Mishnah précédente. La dernière phrase, regardez, Shemimin shehu mevia al hoda. Mevia al hoda, c'est suite à ça qu'on va avoir une petite série de Mishnah où on va parler un petit peu du même principe. Et je m'explique d'abord, parce que vous ne devez pas forcément comprendre de quoi ça parle. Une yoledette, une femme qui a accouché, elle doit porter deux korbanot. Un, une olat haof, et une olat bema, elle doit porter un korban ola, une holocauste. Elle doit apporter pour ça, alors, elle doit apporter un mouton. Ok? Premièrement. Et puis ensuite, elle doit porter en plus un korban khatat haof. Un korban khatat, mais d'une volaille. Maintenant, je m'explique. Il y a un grand problème. Dans notre Mishnah, on parle d'une femme qui a un doute, est-ce qu'elle a accouché ou pas. Vous savez bien, on avait déjà appris quand c'est pas qu'elle a un doute, est-ce qu'elle a accouché. Elle sait bien qu'elle elle s'est couchée sur le... D'accord, sur le Mashber, je sais pas comment c'est en hébreu. Elle était à l'hôpital, elle a accouché, bien sûr qu'elle a accouché. Non, mais elle sait pas si elle a accouché un être humain ou une chose qui dispensait complètement de... Vous avez de ilchot leda, de halachot d'accouchement. Une femme, à partir de 40 jours après la fécondation, c'est-à-dire le 41e jour, on considère qu'elle a déjà un fœtus dans le ventre. Si elle va faire tomber ce qu'elle a dans le ventre, ça s'appelle une naissance. Et elle devra, dans le doute, elle ne sait pas est-ce que c'est un garçon ou une fille, parce que quelque chose qui est minuscule de quelques centimètres, c'est un peu dur même avec un microscope de voir qu'est-ce qu'il avait. Bien que, ne négligez pas, dans la Mishnah dans Neda, il y a des solutions, en passant un cure-dent dessus. Voir est-ce que c'était un mâle ou une femelle. Selon, je ne sais pas quelle taille il faut nécessairement, mais en tout cas... Il y a, en tout cas, imaginez que c'était... Elle ne sait pas ce qu'elle a couché. Si ça se trouve, même, ça n'avait même pas une forme d'homme. Peut-être c'était juste un morceau de... Un morceau de rien du tout. Alors, dans le doute, c'est une femme maintenant qui a un doute, est-ce qu'elle a accouché ou non. Elle a eu quelque chose qui est sorti d'elle. Elle a eu plein de sang. Elle a eu un morceau tout bizarre. Ça ressemblait à un petit morceau de... Je ne sais pas de quoi. Est-ce que c'était un morceau de chair vide, de rien? Parce que c'était un petit fœtus. Dans le doute, elle devra... Elle a un safek leda, elle sera. Elle aura toutes les lois de pureté et d'impureté qui vont dépendre d'une femme, qui incombe à une femme qui accouche. Et elle devra ensuite apporter ses korbanotes. Dans le doute. Soit un korban ola et un korban khatat. Pour le korban ola, il n'y a pas de problème. Un ola, on peut en faire cadeau. C'est-à-dire, tu ne sais pas si tu as accouché. Peut-être que tu dois porter un ola, peut-être que tu ne dois pas porter. Apporte. Et puis, c'est pas grave. Au pire, tu l'auras fait cadeau. Mais pour le khatat, c'est très compliqué. Parce que le khatat, ça vient juste avec un khatat haof. Elle devra apporter un khatat haof, un korban khatat en volaille. Or, en volaille, on a soit le khatat haof, soit la ola du haof, de la volaille, mais c'est deux rituels complètement différents, l'un ne marche pas pour l'autre. La khatat haof, on l'a fait en bas du misbéar, la ola haof, on l'a fait en haut du misbéar. La manière de donner le sang, la manière de faire la melika, la manière de le casser, de casser le poulet, le pigeon. C'est tout un rituel complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas... Dans le doute, on te demande d'apporter un korban khatat. Mais si toutefois elle est dispensée, ben, on n'a rien à faire avec ce khatat. La différence de la ola,
Si elle est dispensée d'apporter un korban hola de Yoledet, alors on lui dira, ben, tu fais un don d'une hola. C'est pas grave, il y aura eu un korban hola qui sera monté sur le misbéach. Le korban, il sera kasher, parfaitement. Alors que pour le khatat, si toutefois elle n'a pas accouché réellement, eh bien elle ne doit pas porter de korban. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? N'importe quoi. On est en train de faire une volaille profane dans le Beth Amikdash. Même pas on lui fait la shrita, on est en train de lui sectionner la tête en enfonçant un ongle dans la nuque. Aucun rapport avec une shrita qu'on est en train de... D'accord? Donc on a un problème. Dans le doute, puisque la femme elle a besoin de porter ce korban khatat pour finir sa purification, parce que la femme qui a accouché, elle est impure pendant 7 jours, 14 jours, et puis après elle doit se tremper au mikvé, mais pour le moment elle est un peu en stand-by, elle est permise à son mari, mais elle n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash. Finir cette purification, ça impose d'apporter ces fameux korbanot. Et dans le doute, elle ne pourra plus jamais, quoi. Alors quoi? Et si jamais c'était la dernière naissance, avant la ménopause, alors toute sa vie, elle va rester dans le doute, est-ce qu'elle a couché ou elle n'a pas couché? Pas du tout, il y a une solution. Elle devra porter un korban khatat dans le doute. C'est le korban khatat là, khatat haof, elle va l'apporter, on va le faire, on va asperger le sang de Beth Amikdash, et puis après, on va aller l'enterrer. L'enterrer ou le brûler, j'ai un doute. Je crois qu'on doit plutôt le brûler. Une seconde. Val Khatatov, mais via Bessavek, avec Venan et Khalet. Bon, c'est pas précisé. C'est pas précisé qu'est-ce qu'il faudra en faire. Je crois qu'il faut la brûler logiquement. Tout ce qui est tout psoul de Kochim, il faut brûler. D'accord. Donc, je reprends. Donc, elle a porté ce Korban Khatat. On va le faire comme si c'était un vrai Khatat. Mais au lieu de le donner à manger ensuite au Kohanim, on va aller le brûler parce qu'on ne pourra pas en tirer profit. Peut-être c'est pas un Korban, peut-être c'est au contraire une grave transgression d'apporter un Korban. Dans l'enceinte du Beth Amikdash, d'apporter un animal profane dans l'enceinte du Beth Amikdash. Dans le doute, on t'a permis de le faire, mais on ne pourra pas le donner à manger au Kohanim. Ok, ça c'était pour la donnée de base. Maintenant, la femme elle a un doute, est-ce qu'elle a accouché ou pas, et elle apporte sa volaille. La Mishnah vient m'enseigner, tu sais, si, donc elle a sanctifié sa volaille pour résoudre une situation de doute. Si au moment, juste avant de commencer la Mélika, de lui sectionner la tête, eh bien on lui dit, il y a le Rav qui vient qui dit, ça y est, j'ai regardé le petit embryon là de quelques millimètres, je l'ai regardé au microscope, c'est sûr, c'est un être humain, j'ai distingué une forme de tête, une forme de main, de bras, et donc tu dois porter un korban vadaï. On dit, bah, c'est très bien, tu as porté un korban khatat, continue à l'apporter le khatat, au lieu de l'apporter dans le doute, eh bien le même korban tu l'apportes avec la certitude que tu dois apporter ce korban. D'accord? C'est ce que la Mishnah m'enseigne, et en fait, le grand chidouche, c'est la lacha implicite qu'on va expliquer dans quelques secondes. D'abord, je reprends dans les mots. Imad shalonim leka. Si en tant qu'on ne l'a pas encore égorgé, on n'a pas encore fait la melika. La melika, c'est le. On apprenait ça dans Zohar. La manière d'égorger une volaille au Beth Amikdash. On ne prend pas un couteau, on n'enfonce pas de par devant sur le cou, mais on prend un ongle et on enfonce par derrière. Ça s'appelle une melika. Ok? Donc, dans le doute, tu as Sena Vadaï. Alors maintenant, donc je reprends le cas de la Mishnah. Elle avait apporté son korban khatat haof dans le doute. Et avant qu'on commence la Melika, nos dalash al davadai, on lui a fait savoir qu'elle avait effectivement bel et bien accouché un vrai fœtus. Donc elle doit porter un korban, réellement, elle a imposé du korban. Et bien la Mishnah m'enseigne, ben, t'as sena vadai, le même korban tu le feras en statut de korban vadai, de certains. Pourquoi? Parce que tu as l'avantage que c'est la même espèce. Chez Mimin, Shehu, Sheim et Via al Loda. Car de la même espèce qu'elle doit porter lorsqu'elle ne sait pas, est-ce qu'elle doit porter un korban, mais via Al-Hoda, elle devra la porter, la même espèce lorsqu'elle devra la porter en certitude. D'accord? Ça rejoint le korban Hacham d'hier, de la Mishnah précédente. On avait vu encore de nouveau que c'est la même espèce. Donc un peut acquitter l'autre, le doute peut acquitter la certitude, à la différence de celui qui devait porter par exemple un Hacham Talouï, parce qu'il ne savait pas ce qu'il devait porter un korban Khatat. C'est deux espèces différentes. Le Hacham Talouï, c'est un bélier. Le Hacham Vadaï, le Khatat, c'est Kisba ou Seira. C'est une brebis ou c'est une chèvre. Alors là, dans le doute, il n'acquittera pas son devoir. Là, il acquitte son devoir, ok? Le grand chidouche, il est pour la halakha implicite, entre les lignes, que si toutefois on a déjà fait la Melika, ouais, et après on lui dit, tu sais, en fait, en réalité, tu avais réellement accouché. Eh bien, on déduit, comme ça, le Tiferet Israël rapporte, et de que dans le doute, elle s'acquittera. C'est vrai qu'elle s'acquittera de son korban. Mais on ne le donnera pas à manger au Kohanim. Même s'il s'avère qu'en réalité, le korban, il était parfaitement pour les Kohanim. Il était parfait pour les Kohanim. Puisqu'on ne l'a pas fait dans le doute. Quand on l'a fait, on avait un doute. Mais après, on a éclairci qu'il n'y avait plus de doute. Malgré tout,
les Kohanim ne pourront plus le manger, de peur que la prochaine fois, dans une situation similaire, les gens diront qu'ils ont le droit de manger le Korban Khatat, sur Khatat Haof. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atsakha Koltou, vous savez.